Hallelujah. Oh, yes. Oh, yes. Vous savez, pendant que nous étions en train d'adorer, de célébrer le Seigneur, Dieu m'a ouvert les yeux pendant que nous chantons. Et j'ai vu une grande porte. Et Dieu m'a dit clairement, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, c'est ce qui vous attend. Mais craignez mon nom, car je reviens bientôt. Est-ce que tu peux acclamer ton roi ce matin? Alléluia! Merci Seigneur. Le roi des rois, c'est Jésus. C'est Jésus. Hallelujah.
ciel dit alléluia avec moi. Alléluia. En tant que chanté. En ce jour-là, ils ont pris des pagnes, ils ont pris des rameaux et ils disaient Hosanna au pays de cieux. Ils disaient alléluia, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre des hommes, gloire dans les lieux célestes. Alléluia. Il est rentré dans Jérusalem pour accomplir le plus grand sacrifice et cela a été précédé par des cris d'allégresse. Oh Sion, voici ton roi, viens à toi. Montez sur un âne, le petit d'un âne. Son œuvre. Contemple son œuvre. Merveilleux Jésus. Seigneur, sois béni. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son frère de gauche et de droite? Salue celui qui est à gauche et à ta droite. Nous saluons toutes les personnes également qui nous suivent via les réseaux sociaux, les médias. Nous vous aimons dans cette journée de Pâques. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est la fête. Oulala, dis-le lui avec beaucoup plus de... C'est vrai, il n'y a pas à manger, mais c'est la fête. Dis-lui, c'est la fête. Nous voulons parler de la Pâque. Et je demanderai à l'Esprit de Dieu de nous faire grâce ce matin. Et cet après-midi, je demanderai sa main de manière surnaturelle. Je demanderai son inspiration, son onction
Et je demande, oui, qu'il touche un cœur, un homme et une femme. Comme il le dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Que mot après mot, phrase après phrase, communique la vie selon l'Esprit de Dieu et nous délivre, nous transforme, nous restaure, nous façonne, nous taille à son image et nous prépare à ses festivités, nous prépare à ses réjouissances éternelles. Nous voulons ce matin que la main de Dieu soit sur chacun de nous. En particulier ma vie, je demande à ce que je sois ce canal pur et simple, lavé, nettoyé, au nom de Jésus-Christ. Et qu'au-delà de ces quatre murs, que ce message puisse avoir un impact à travers le monde entier. Et je tiens à l'échec toute activité démoniaque, satanique, toute flèche de l'ennemi partant de gauche et de droite, maintenant même au nom de Jésus. Et que l'atmosphère soit couverte par le sang de l'agneau. Et que toute activité satanique, je viens arrêter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit son miracle. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, quelqu'un reçoit un toucher de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un sort avec une parole prophétique. Aujourd'hui, quelqu'un sort avec, oh my God, avec une révélation particulière de ce Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. J'aimerais dire un grand merci au Seigneur pour sa grâce et pour ce temps. J'aimerais aussi bénir la vie de tous mes frères et sœurs, mes fils et filles dans la foi qui ont été une très grande bénédiction pour moi personnellement et je crois pour chacun d'entre nous. Pendant ces 3 jours, nous avons commencé le vendredi, nous avons eu également hier. Et je peux vous assurer, lorsqu'un thème comme ça est donné, Jésus est Seigneur. Et l'essentiel a été dit, mais tout n'a pas été dit parce que la parole de Dieu est tellement profonde. Elle nécessite vraiment la révélation de Dieu pour entrer dans des dimensions, je dirais, plus profondes. Amen. Et je priais ce matin, savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait que je puisse ajouter à ce qui a été déjà dit ici. Et je vais nous apporter déjà ce matin sur ce texte de Ésaïe chapitre 53, un texte capital, fondamental. Et je vous demanderai votre attention. Ésaïe chapitre 53, le verset 1er au verset 8. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il se levait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage et nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, mais il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Parmi ceux de sa génération, qui a cru, nous dit la Bible, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Amen. Ceci est mon texte de base et nous allons dans notre texte du séminaire qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 1 Corinthiens chapitre 5 et nous prenons le verset
6 au verset 8, la Bible dit, c'est à bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître donc le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le levain, les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nous parlons de la Pâque. Le mot Pâque, comme il a été défini, sur le fait de passer outre. La Pâque nous parle en gros de la délivrance. De la délivrance du peuple de Dieu, de l'Égypte, pour entrer dans la terre que Dieu avait préparée pour cette nation, la terre de Canaan. Et bien avant que le peuple puisse ne soit délivré de sa captivité en Égypte qui a duré près de 4 siècles, Dieu a voulu, juger la nation qui était utilisée pour opprimer son peuple. Dieu va exercer le jugement par le canal de son serviteur Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, avant la dernière plaie qui était le fait de frapper tout le premier-né de l'Égypte, qu'il fallait tuer un animal, sacrifier un animal et poser le sang sur les linteaux et sur les portes. Et quand l'ange de la mort passerait et qu'il verrait le sang, qui était une préfiguration, il passerait au-dessus des maisons et aucun de ses enfants ne serait frappé. Dieu allait protéger le peuple, son peuple, et Dieu allait par la suite, à l'occasion de l'immolation de la Pâque, de l'agneau, le peuple à la suite devait être libéré, délivré pour aller dans la terre promise. Écoutez très bien. Ainsi, dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de l'agneau pascal. Dans toute la Bible, nous voyons la Pâque. Dans quelques endroits, ça a été certainement caché. Mais du commencement jusqu'à la fin, le plan de Dieu a été le même. Car Dieu n'a jamais changé son programme. Dieu n'a jamais changé son agenda. Mais il y a eu des événements qui se sont produits, qui ont voulu, je dirais, en quelque sorte, brouiller le plan de Dieu. Mais j'aimerais dire une chose. Le Dieu de la Bible, le Dieu que toi et moi nous servons, nous adorons, que nous sommes venus célébrer, c'est un Dieu qui voit déjà le problème demain et il amène la solution avant. Il apporte la solution avant même que le problème n'arrive. Il est le Dieu qui est l'oméga avant d'être l'alpha. On l'appelle l'alpha, l'oméga, c'est vrai, mais dans la compréhension des choses, nous vivons un match en différé. Tout a été déjà fait, tout a été déjà programmé, mais nous sommes en train de revivre les choses. Pour nous, c'est nouveau, mais pour Dieu, ce n'est pas nouveau, car Dieu savait déjà ce qui allait se passer, ce qui allait se produire. C'est pourquoi la solution à l'humanité, la solution pour ta vie, pour ta famille, la solution pour tes problèmes, tes projets, la solution pour tout ce dont tu as besoin, ce n'est rien d'autre que l'agneau pascal, ce n'est rien d'autre que Christ. Christ reste l'agneau et de Genèse à Apocalypse, la Bible en parle. Et avant de continuer, Esaïe était un prophète. Comme tous les prophètes qui sont venus, ils ont prophétisé par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare les prophètes qui ont prophétisé les choses concernant la grâce de Dieu. Ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pourquoi? Quand ils parlaient, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ne comprenaient pas le sens profond de ce qu'ils étaient en train d'annoncer ou encore de proclamer. Mais ils l'ont dit par obéissance. Et plusieurs prophètes sont venus. Et je dirais même dans toute la Bible, le tout premier prophète que nous pouvons citer, entre guillemets, c'est Dieu lui-même. Dieu crée l'homme le 6e jour. Et la Bible dit le place dans le jardin d'Éden. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 13, prenez rapidement avec moi Apocalypse 13, le verset 8. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé.
Apocalypse 13, verset 8. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, en parlant de la bête qui monte de la mer, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Aide-moi à dire à ton voisin, l'agneau de Dieu, encore l'agneau de Dieu, a été immolé dès la fondation du monde. Réponds encore, l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Cela veut dire quoi? Au moment où Dieu créait le monde, avant même que l'homme ne soit créé, l'agneau de Dieu a été immolé. Immolé veut dire sacrifié, égorgé. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Dieu savait, parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il savait ce qui allait se passer dans le temps. Alors il prend déjà l'agneau, qui est l'image de son fils unique, Christ. Il le prend de manière prophétique et spirituellement, il le tue. Qui a tué l'agneau? Dieu lui-même. Avant que le monde ne soit créé, Dieu lui-même tue l'agneau. Waouh! Dieu maintenant commence l'œuvre de la création. Il crée l'homme. Le jour où il crée l'homme, le sixième jour, il le place dans le jardin d'Éden. Avec les deux arbres, interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme par sa désobéissance touche. Et la Bible dit par là, il pêche. Il entre dans le mystère de l'iniquité. Il entre dans les ténèbres. Il va connaître les profondeurs de Satan. Il va aller toucher l'interdit. Et le diable l'emprisonne dans le carcan du péché de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il enferme, il emprisonne. Il met la sémence du péché dans la vie de l'homme au point où l'homme ne peut plus sortir du péché avec ses forces, ses capacités, ses moyens, ses aptitudes, avec son raisonnement, avec les cinq sens. Il est impossible de se libérer du pouvoir du péché. Mais Dieu regarde. Dieu dit, mais à l'homme, ayant créé à mon image, je sais que tu sais, je savais que tu allais tomber. Mais avant même que tu ne tombes, j'avais déjà une solution pour toi. Avant même que le problème n'arrive, j'avais déjà une solution pour toi. La solution, c'est qu'il y a l'agneau de Dieu qui n'est pas encore manifesté. Cela veut dire qu'il y avait encore un voile. Il n'était pas encore connu. On ne connaissait pas, on ne pouvait pas le toucher. Mais quelque part dans la préscience de Dieu, quelque part dans l'univers de Dieu, quelque chose de puissant s'est manifesté. Car les choses, avant de devenir physiques, elles sont d'abord spirituellement conçues. Dans le spirituel, il y avait déjà quelque chose. Et Dieu regarde. Il dit, ok, puisque tu as touché à ce qui est interdit, je ne veux pas manifester l'agneau tout de suite. Dieu segmente le temps dans ce qu'on appelle les âges et les dispensations. Suivez bien. Et vous verrez que dans chaque temps et dans chaque dispensation, il y a eu la révélation de l'agneau. Amen. Amen, amen, amen. Maître de temps et de circonstances, dans les temps de Dieu et dans les temps des hommes, il y a un seul être que nous voyons, l'agneau. L'agneau. Avant qu'Adam ne soit créé, l'agneau a été immolé. Quand il a été créé, il était dans l'âge de l'innocence. Le jour où il pêche, Genèse chapitre 3, verset 21, Genèse 3, verset 21, alors que Adam a péché, Adam et Ève ont péché, Dieu va les revêtir avec le peau d'animal. Vous ne vous êtes pas posé la question de quel animal il est question, parce qu'il fallait l'habiller. Dieu ne vient Il n'est pas venu pour te déshabiller. La société veut te déshabiller, mais Dieu veut t'habiller. Oh, tu as eu l'habillement de la justice des hommes, mais Dieu veut te donner un habillement spirituel. La Bible déclare que notre justice est comme un habit souillé. Notre justice ne peut pas plaire à Dieu, mais dans la justice de Dieu, il a plu à Dieu de tuer l'agneau, de tuer l'agneau, de tuer l'agneau. Dieu tue l'agneau et il prend le pot, la peau, la peau, je dis la peau. Et il fabrique le premier vêtement, le premier couturier. Et Dieu, et il a fait le premier habit avec la peau de l'agneau. Ah,
La peau de l'agneau est là pour te couvrir. Tu me comprendras tout à l'heure. Il y a une couverture spirituelle. Il y a une couverture spirituelle. Le diable ne peut plus te toucher, ne peut pas toucher à ce qui t'appartient parce qu'il y a la peau. Dis avec moi, j'ai la peau de l'agneau. Ne me regardez pas, ne regardez pas ce costume. En moi, il y a un habit. En moi, il y a un habit. En moi, il y a un habit que Dieu m'a confectionné. Là, c'est la première, la deuxième dispensation, l'innocence. Troisième dispensation, c'est la responsabilité humaine. Avec Noé, Dieu frappe le monde à cause du péché. Dieu demande à Noé de construire l'arche et de faire, de sauver sa famille et les animaux par couple et les faire rentrer. Dieu fait pleuvoir sur la terre. Le déluge sera l'image du jugement de Dieu, car le jugement de Dieu s'abattra sur le monde. Mais pour échapper à ce jugement, il faut entrer dans l'arche. Pour entrer, pour bénéficier de ce, pour échapper à ce jugement, tu as besoin de la couverture de l'agneau. Ils ont cru, il a marché avec Dieu en son temps. Noé, la Bible dit qu'il est rentré dans l'arche. Et quand le déluge est passé, il est sorti. Dieu dit à Noé de lui sacrifier des bêtes pures. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 20 au verset 21 à 22 là-bas. La Bible dit, lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé a bâti l'autel. Bien aimé, l'autel était quelque chose de symbolique et de prophétique. L'autel représentait prophétiquement la croix. Et sur l'autel, on devait sacrifier les bêtes pures. Et parmi les bêtes pures qui devaient être sacrifiées, il y avait l'agneau. Car quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que l'agneau faisait partie des animaux purs. Et le sang de l'agneau, c'était le sang que Dieu demandait pour que le péché soit couvert, que le péché soit expié. C'est ce sang que Noé a sacrifié. Il y avait d'autres bêtes, mais il y avait aussi l'agneau de Dieu qui a été sacrifié. Et quand l'agneau a été tué avec les bêtes pures et les oiseaux purs, la Bible déclare c'était un holocauste. C'était l'holocauste, un sacrifice entièrement consacré, brûlé pour Dieu. Dieu a senti l'odeur. Je me pose la question, comment Dieu qui est esprit peut sentir l'odeur de ce qui est physique? Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis venu dire à une personne ce que Noé avait fait, c'était un geste prophétique qui est montré dans le temps à venir que l'agneau de Dieu allait être complètement immolé, sacrifié, livré sur le plus grand autel qu'on appelle la croix. Car la croix, c'est le plus grand autel sur lequel on a sacrifié le plus grand sacrifice qui est l'agneau de Dieu. Et le mystère est lequel? Jésus est lui-même l'agneau de Dieu, Jésus est lui-même l'autel, Jésus est lui-même le sacrificateur qui tue. C'est ça le mystère. C'est pourquoi on ne peut pas le comprendre. On a besoin de la révélation de l'agneau. On a besoin de la révélation. Et le diable n'aime pas ce message. Vous allez comprendre tout à l'heure. Parce que quand on parle de l'agneau, quand on parle de la croix, quand on parle de la Pâque, il se rappelle de sa défaite. Alors il n'aime pas. Il n'aime pas. Il combat. Il se lève. Il veut tout faire pour que nous ne rentrions pas dans la révélation. Mais j'aimerais dire trop tard pour lui. Aide-moi à dire à ton voisin, trop tard pour lui. Tu ne l'as pas dit trop tard. Dis le diable, trop tard. Le combat qui va mener là, c'est trop tard. Tout est déjà accompli. Amen. Dieu sent l'odeur, il dit, je ne détruirai plus la terre. C'est pourquoi vous voyez le signe de l'arc-en-ciel. Parce qu'un agneau a été sacrifié. Bête pure, sur le plus grand autel, dans l'âge de la responsabilité humaine, pour montrer à quel point il est la base. Allons-y maintenant au temps de la promesse avec Abraham. Dieu appelle Abraham après la destruction de Babel. Il sort Abraham de sa patrie, de la maison de son père, car ils adoraient des faux dieux. Il dit, tu iras là où je te montrerai. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui fait la promesse qu'il allait lui donner un fils. Et ce fils, c'est lui qui, de qui il y aurait la descendance et de toutes les nations seraient bénies en lui. Mais vous verrez aussi que prophétiquement, ce fils parlait de Christ, l'agneau de Dieu. Alors, un jour, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nous sommes dans Genèse chapitre 22.
à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve, le père de la foi. Il dira, sacrifie-moi ton fils, ton unique. Dieu ne peut jamais demander qu'on sacrifie un homme. Dieu n'est pas un sataniste, un occultiste. Dieu n'est pas un sorcier. Mais dis, sacrifie-moi ton fils. À l'époque, dans plusieurs religions, on sacrifiait des enfants à des divinités. À Moloch, qu'on appelle aussi Milcom, on sacrifiait des enfants, on faisait passer des enfants par le feu. Dieu considérait cette pratique comme une abomination. Comment ce Dieu qui considère que sacrifier son enfant est une abomination peut encore demander au père de la foi de sacrifier son fils? Dieu se contredit-il? Non. Mais Dieu voulait juste tester la foi d'Abraham. Car l'œuvre de la croix est basée sur la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas bénéficier de l'œuvre de la croix. Non, c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce est gratuite. On te donne gratuitement. Maintenant, la foi, c'est la main que tu enlèves de ta poche pour prendre ce qu'on t'a donné. Oh, dis avec moi, je prends. Oh, lève ta main avec moi, dis, je prends la grâce de Dieu pour ma vie. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. C'est gratuit. Mais toi, use de la foi. La foi, c'est cette main qui t'amène à prendre ce qui est de Dieu et l'amener vers toi. Abraham obéit. Abraham prend son fils Isaac avec ses serviteurs à nous adorer. Ils partent. Un, deux. Ils arrivent sur la montagne. Abraham dit aux serviteurs, restez ici, sur le bas de la montagne. Pourquoi? Parce qu'au sommet de la montagne, on ne part pas avec les serviteurs, mais on monte avec les fils. Je dis, on monte avec les fils. Oh, si tu es fils, tu vas monter sur la montagne. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui arrivera dans ce lieu élevé, dans ce lieu saint? Ce sont les fils qui purifient leur cœur, qui se sanctifient, qui se préparent pour la grande rencontre. Il dit, moi et le fils, nous montons. Alors que l'ordre était pour aller sacrifier, mais lui dit, nous ne montons pas sacrifier. Il dit, nous montons adorer. J'aimerais te dire, dans la Pâque, il y a l'adoration. Dans la Pâque, il y a la louange. C'est pourquoi la Pâque est une fête qui doit se célébrer. Nous allons adorer. Je suis venu te dire, tu es un adorateur. Et le Père recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité sur la montagne. Et il monte. Pendant qu'il monte, le fils, il était éveillé. Il dit, mais Père, tu dis que nous allons adorer. Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Pourquoi il n'a pas demandé où est, je ne sais pas, le quoi là, le poulet? Pourquoi il n'a pas demandé un bœuf? Mais il demande seulement l'agneau, ça ne dit rien. Il demande seulement l'agneau. Isaac, le fils prophétique, il dit, mais où est l'agneau? Il se sentait condamné par son péché. Il se sentait condamné, abandonné. Il savait que sa vie s'arrêtait. Il savait qu'il allait partir au supplice. On ne parlerait plus de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand les hommes te condamnent, même quand les hommes s'élèvent sur toi contre ta vie, sache que quelqu'un a payé pour toi à la croix. Personne n'a le droit de te condamner. Je suis venu te dire, personne n'a le droit de te condamner, ni même le diable, il n'a pas le droit, parce que moi, Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira, c'est-à-dire Yahvé j'irai. Ne t'inquiète pas, la solution est quelque part, même si tu ne l'as pas encore vue, la solution est quelque part, même quand tu ne l'as pas encore touché. Ne t'inquiète pas, je suis venu dire à une femme, ne t'inquiète pas, oh femme de Dieu, je suis venu te dire, ne t'inquiète pas, Yahvé j'irai. Est-ce que quelqu'un peut me dire Yahvé j'irai? Il va pourvoir. Il pourvoira. Et Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ce n'est pas un Dieu pauvre. Ce n'est pas un Dieu parce que tu l'as trop demandé, il n'a plus dans les poches. Même quand tu demandes, il en a toujours assez pour donner. Amen. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. J'ai dit, il a toujours assez pour eux. Et au temps d'Abraham, Dieu a pourvu avec un bélier. Pas un agneau, un bélier. Où est l'agneau? La réponse est restée. Qui a
pas cru à ce qui nous a été annoncé. L'Esprit était en train d'annoncer aux hommes et aux femmes que l'agneau qui est le centre de tout devait arriver. Mais Isaac voulait qu'il arrive en son temps. Mais ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Moïse vient en son tour. Quand Israël se trouve en Égypte, Dieu l'envoie pour libérer son peuple. Et Dieu dit à Moïse, tu vas immoler la Pâque. Et Dieu considère le mois de Nissan, on l'a enseigné ici, qui est le tout premier mois dans les calendriers juifs, dans les calendriers religieux. Dieu positionne le premier jour de l'année au mois de Nissan. C'est-à-dire que la Pâque devient le point de départ de la vie chrétienne. La Pâque devient le point de départ de la délivrance. Tu ne peux pas servir Dieu sans la Pâque. Tu ne peux pas adorer Dieu sans la Pâque. Tu ne peux pas aller à Canaan sans commencer par la Pâque. La Pâque, c'est le premier mois. La Pâque, c'est l'origine. La Pâque, c'est le commencement. La Pâque, c'est le début. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est là où l'agneau a été immolé. Je dis à Moïse, dans chaque maison, dans chaque famille, on doit prendre l'agneau. On doit prendre l'agneau. Et on doit les sacrifier, les gorger et le manger entre deux soirs. Et prendre le sang, on le met dans les linteaux, sous les linteaux et sur les portes. Et quand l'ange de la mort est passé, sachez qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et un des dieux forts qui existait, c'était le dieu Ra ou le dieu soleil, qui était l'incarnation du pharaon. Or, le premier fils ou le fils aîné du pharaon, c'était lui qui était prévu pour être le prochain pharaon. Dieu tue le Dieu. Tu ne me comprends pas. Je suis venu te dire, cet esprit-là, cet homme fort dans ta famille qui a bloqué tout le monde. Tes tantes ont été bloquées. Tes tantes ont été bloquées. Oui, les nièces sont bloquées. Oh célibat, oh maladie, oh mort précoce, oh ceci, oh pauvreté, oh misère. Oh, je me retrouve toujours au pays là-bas en train de manger dans la maison de mon père. Je suis venu te dire, l'homme fort sera dépouillé. À la Pâque, je dis à la Pâque, je dis à la Pâque, c'est le dépouillement de l'homme fort. Ramassanda, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis ce matin, quelqu'un ne me comprend pas. À la Pâque, Dieu a dépouillé. Je suis venu t'annoncer que l'esprit de blocage sera bloqué. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce qui bloquait ta vie, Jésus va le bloquer. Ce qui empêchait ton percée, Jésus va l'arrêter. Les premiers nés vont mourir. Et je les déclare dans ta vie. En tant qu'homme de Dieu, prophète de l'Éternel, je déclare dans ta vie que tout ce qui te bloquait prenne fin aujourd'hui. Oh, tu n'es pas sensible pour dire amen. Je suis venu te dire, tu rentres dans une nouvelle saison. Je suis venu déclarer que la Pâque ouvre une nouvelle saison. Même si c'est le gouvernement qui empêche de te donner quelque chose, tu vas l'avoir. Je suis venu libérer ta situation administrative. Je suis venu te déclarer tu es français, française. Oh, je suis venu te dire que les géants sont terrassés. Les géants de ta destinée sont terrassés. Je suis venu dire à quelqu'un, Goliath est en train de tomber. Je suis venu dire à quelqu'un, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ambrazande ma sende rebo karabalanda brakama, enda basanda brakaba yakababa. Tu as raison de la caméra, bababa. Radakaba saka. Écoutez. Non. La Bible est trop forte. Non, je ne connais pas un autre livre aussi merveilleux, aussi beau, aussi profond, aussi, alléluia, long, aussi large que la Bible, la parole de Dieu. Je ne te parle pas d'un livre quelconque qui te fait rentrer dans une connexion bizarre, mais je te parle de la Bible qui te fait rentrer dans la connexion avec le maître des temps et des circonstances, Dieu lui-même. Fais avec moi. J'imagine Moïse. Il vient voir Pharaon. Il dit, on dit quoi? De mon Dieu et de ton Dieu, qui est le plus fort? Bras de fer, c'est qui?
On ne fait pas un bras de fer avec Jésus. Est-ce que tu sais qu'il est capable de tuer tous ceux qui s'élèvent contre ta vie? Oh non, tu ne m'as pas compris. Il est capable de tuer celui qui t'empêche d'avancer. Je ne prie pas que Dieu le tue, parce que je ne suis pas un sanguin. Vous voyez, je ne suis pas un meurtrier, un assassin. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il est capable. Ah non, ne pense pas que c'est impossible. Ne pense pas que c'est impossible. L'agneau, quand il se lève, la situation change. La situation change. La situation change. Oh, je disais, la situation change. La situation d'Israël a changé. Vous imaginez la délivrance, non d'un homme, mais de tout un peuple. De tout un peuple en un jour. Dieu est capable de délivrer toute ta famille en un jour. Non, je disais que Dieu est capable de libérer tous tes projets en un jour. Toi, tu penses que pour que Dieu agisse, tu as besoin d'un an. Non, Dieu en un jour suffit. Ah, je disais à quelqu'un, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Un jour suffit pour que Dieu fasse quelque chose de merveilleux, de glorieux et de puissant dans ta vie. Moïse. Il sort de l'eau. Il sort avec le peuple. Et maintenant, quand ils arrivent dans le désert, c'est là que Dieu lui dit, maintenant, considère la Pâque comme une fête. Pas une fête juive, mais une fête de l'Éternel. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une fête juive. Où il faut aller. Certes, les Juifs devaient se rendre à Jérusalem pour fêter cela. Mais la Bible ne dit pas que ce sont les fêtes juives. La Bible, ce sont les fêtes de l'Éternel. Donc si tu appartiens à l'Éternel, tu dois fêter cette fête, car c'est une fête de l'Éternel. Alors comment fêter cette fête? À l'époque, on amenait de l'agneau, on allait à Jérusalem et on célébrait Dieu pendant 7 jours avec des pains sans levain. Et quand on parle de la Pâque était souvent associée avec les pains sans levain, la fête des pains sans levain. C'est pour dire quoi? Une fois que tu es délivré, tu dois enlever tout ce qui est levain en toi. Le levain, c'est l'image du péché. Le levain, c'est l'image de la religion. Le levain, c'est l'image de la religiosité qui empêche la main de Dieu d'agir, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour agir, mais ce sont vos péchés qui vous cachent la face et ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous exaucer. Voyez, c'est pour cela qu'une fois que tu passes par la Pâque, automatiquement tu deviens une Pâque nouvelle. Je suis en train de voir les hommes et les femmes qui avaient du levain, mais le levain a été transformé. Le levain a été ôté. Le levain a été enlevé. Maintenant tu deviens une Pâque nouvelle. Dis avec moi, je suis une Pâque nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, le levain est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu reçois Jésus, lorsque la Pâque, tu la célèbres, tout devient nouveau en toi. Dieu change ton raisonnement. Dieu, il y a un renouvellement de l'intelligence. Il y a une transformation de ton esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui commence à naître en toi. Tu deviens quelqu'un de nouveau, que personne ne te considère par rapport à ton passé. Même si ton passé était noir, le sang de Jésus est plus fort pour te laver, pour que tu deviennes blanc. Oh, je suis en train de voir des hommes et des femmes qui ne sont pas habillés en blanc, mais qui sont lavés par le sang de l'agneau et qui ont des robes blanches. Oh, dis avec moi, j'ai une robe blanche. Pâques. Dieu dit à Moïse, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Je mettrai ma parole dans sa bouche, écoutez-le. Moïse, jusqu'à présent, est considéré comme le plus grand prophète. Mais il a annoncé un prophète qui viendrait. La réponse à toutes ces questions depuis le commencement. Où est l'agneau? Le temps a passé. Les époques se sont succédées. Le temps a évolué jusqu'à une époque où Dieu, dans sa prescience, savait que le moment était arrivé pour que l'agneau soit manifesté. La Bible déclare, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il puisse racheter ceux qui étaient sous la loi. Voici dans le calendrier de Dieu, au temps marqué par Dieu, il fallait que le fils de Dieu vienne. Il fallait que l'agneau de Dieu vienne. Cet agneau est venu du ciel. La Bible déclare, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce n'était plus l'agneau en tant qu'animal, mais c'était un agneau en tant qu'homme, personne, qui avait la chair et le sang, mais pas un sang des hommes, mais un sang de Dieu, un sang pur, un sang qui n'avait pas été contaminé par le péché. La Bible déclare, c'est pas par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères,
mais c'est pas le sang d'un agneau, sang de fausse sentence qui a été prédestiné avant la création du monde. Il a été prédestiné pour nous. Mes frères, il est venu dans la simplicité la plus totale. Et Esaïe l'avait prophétisé. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu celui-là même qui était le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Lorsqu'il est venu, nul ne savait que c'était lui. Si tu n'avais pas l'esprit, tu ne pouvais pas savoir que celui qui passait pour aller vers Jean, c'était lui l'agneau de Dieu. Il n'avait ni beauté, ni aspect pour attirer nos regards. La Bible dit qu'il n'était pas brillant, il n'était pas éclatant, mais Jean avait l'esprit. Jean a su le reconnaître. Lorsqu'il passait, il dit celui-là, et Israël, celui-là, celui-là, et l'agneau de Dieu, celui-là même qui ôte le péché du monde. Il dit également, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mes frères, il est venu dans la simplicité, marqué par l'Esprit de Dieu, marchant sous les traces de son Père, dans l'autorité de Dieu, un prophète puissant en parole et puissant en œuvre devant Dieu et devant les hommes. Nul pouvait le résister, nul pouvait le freiner. Il était investi d'une autorité divine. Y avait-il des gens qui avaient besoin de la délivrance? Avec la sensibilité, il a porté la délivrance. Avais-tu besoin de guérison? Il a porté la guérison. Je suis venu te dire, il est ici pour te guérir. Il est ici pour te délivrer. Je suis venu te le dire de la part de Dieu. Il est ici pour te toucher. Il lui a fallu simplement 3 ans. Pendant 3 ans, il a épaté le monde. Pendant 300, il a ébloui l'humanité. Dans le royaume des ténèbres, il y a eu une confusion, un chaos. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, Hérode a tremblé. Et les mages ont posé, où est l'agneau de Dieu, le roi des Juifs qui vient de naître? Car l'agneau dont il est question, il est le roi. Et l'agneau roi, c'est un agneau roi. Hérode a tremblé de son trône. Il a tremblé. En quoi la naissance d'un bébé peut faire trembler un grand roi? C'est d'avoir dit, il y a bébé et bébé. Ce n'était pas un bébé comme tous les autres bébés, mais c'était le bébé agneau. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. J'ai dit, c'était le bébé agneau. Dis avec moi, l'agneau de Dieu. Dis avec moi, l'agneau de Dieu. Le bébé agneau. Vous savez ce qui s'est passé? Il était troublé. Ils sont partis jusqu'à Bethléem. Les mages l'ont adoré. Par l'Esprit de Dieu, divinement averti, ils vont fuir. Joseph et Marie et Jésus vont se rendre où c'est, en Égypte, pendant quelques années. Et ils vont revenir plus tard. Il est resté dans l'anonymat. Nul ne savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Il y avait un revers dans la situation. Je parle de manière spirituelle, je parle de manière prophétique et je parle de manière économique, politique, militaire. Dans le monde spirituel, il y avait un bouleversement. Bien aimé, le monde, ce n'est pas toujours ce que vous voyez et vous palpez avec les 5 sens. Il y a une autre dimension qui est spirituelle, qui maîtrise les choses. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui sont comme les maîtres de ce monde. C'est eux qui décident sur l'avenir de temps et des circonstances. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-dessus de ces maîtres du monde, il y a un maître souverain qui est là, positionné là. Même le diable est à son service sans le savoir. Même Satan travaille pour Dieu sans salaire. Je suis venu te dire, le diable travaille pour Dieu sans salaire. S'il savait que ta maladie serait pour un témoignage demain, il ne t'amènerait jamais la maladie. En fait, le diable se trompe toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu te dire que le diable se trompe. Quand Jésus a commencé le ministère, il est venu le tenter, il a perdu. La Bible attendait un moment favorable, il est venu à Gethsémané. Il ne savait pas que Gethsémané, Jésus a déjà vaincu à la croix à Gethsémané. Parce qu'à Gethsémané, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais ta volonté. Et là déjà, il avait accepté la volonté de Dieu. Il avait accepté la croix. Il a bu la coupe qui était amère. Cette coupe où il savait qu'il devait être méprisé, abandonné, rejeté, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il allait être dédaigné. On allait cracher sur lui. On allait le piétiner. On allait l'écraser. On allait le mépriser. On allait faire de lui la risée de la société. Il a accepté. Il a endossé. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait pour toi parce qu'il voulait te sauver. Il y a eu un substitut. Il a pris ta place. Il a porté tes péchés. Il t'a donné sa justice. Et lui, à cause de tes péchés, il est monté
maintenant à la croix et c'est à la croix qu'il a payé pour tes péchés. Mes amis, mes frères, lorsqu'il est monté à la croix, le diable s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Il va dire, s'il te plaît, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Jésus dit, je ne descends pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, le diable, il peut passer par n'importe qui, n'importe comment pour agir. Il a compris déjà, parce que quand Jésus était à la croix, il s'est passé quelque chose. Hier, on nous a parlé comment est-ce qu'il a porté la couronne d'épines, on a percé sur son côté, l'eau et le sang est sorti. Mais une autre réalité que vous devez savoir, c'est que sur le poteau de la croix, pendant qu'il était là suspendu, quand on parle de la croix, je ne parle pas de ce bois-là, c'est pas ça. Parce qu'il y avait trois croix. Mais ce n'est pas la croix de gauche ni la croix de droite qui sauve, mais c'était la croix du milieu. Pas parce que c'était du bois en forme de croix, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui était dessus sur cette croix. En réalité, la croix, ce n'est pas le bois, mais c'est Christ crucifié sur le bois. Est-ce que tu comprends? La croix, c'est Christ crucifié sur le bois. Et pendant qu'il était là, suspendu, la Bible déclare, pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Je ne parle pas des ténèbres, ce n'est pas l'éclipse où vous voyez ça dans un coin et partout ailleurs, ça va. Je parle des ténèbres sur toute la terre. Dis avec moi, sur toute la terre. Toute la surface de la terre, il y a eu des ténèbres. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant 3 heures, ça a duré de midi à 15 heures, s'il vous plaît. À midi, il n'y a pas les ténèbres. Pendant 3 heures, la Bible déclare, lorsqu'il était là à la croix, Jésus-Christ était en train d'effacer les actes qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il les a effacés. Il était en train de les effacer. Oh, acte de mort, oh, acte de maladie, oh, acte de ceci, il est en train de les effacer avec le sang. Non seulement qu'il a effacé, la Bible déclare, pendant qu'il était à la croix, il était en train de dépouiller. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé la mari de nuit, il a dépouillé la femme de nuit, il a dépouillé l'esprit de sorcellerie, il a dépouillé la sirène de zoo, il a dépouillé ses esprits. Et il les a triomphés. Non seulement il les a dépouillés, mais il les a triomphés. La croix, c'est le triomphe. La croix, c'est la victoire. Lorsque le diable t'attaque, ne dis pas je prie, dis le sang. Oh, quand il vient attaquer tes enfants, ne te mets pas à trembler, à prier au nom de Jésus. Je viens cafard au nom de Jésus, c'est ma tante au pays. Non, dis-lui, toute arme forcée contre moi sera sans effet. Et toute langue en justice qui se lèvera, je la condamnerai. Lorsque les diables t'attaquent, oh, tu vois des bêtes bizarres venir, des chats, des hiboux, des chauves-souris, n'aie pas peur. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Quelqu'un a dit, tu es un couf amable. Ça veut dire, tu es immortel. Tant que Jésus est en toi, personne ne peut te manger. J'ai une bonne nouvelle. Même si on t'avait mangé, ils vont te vomir. Le poisson a commis l'erreur de bouffer, d'avaler Jonas. Il y a des gens qu'on n'avale pas. Je dis, il y a des femmes qu'on n'avale pas. Oh, parce qu'en toi, il y a une destinée. On ne peut pas t'avaler. On ne peut pas te manger. Oh non, tu es dans la liste des gens qui seront bouffés cette année. C'est impossible. Même si on t'avait avalé. Jésus a dit, lorsqu'on lui a demandé de faire un miracle, il dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Oh, après que Jonas ait fait 3 jours et 3 nuits dans la tente, plutôt dans le ventre du poisson, le Fils de Dieu. Et toi, tu es descendant du Fils de Dieu. Tu es le petit frère du Fils de Dieu. Tu feras 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Mais attendez, lorsqu'il est parti dans la terre, sous la terre, dans le séjour de mort, c'était pour une mission divine. Libérer des captifs,
et apporter la condamnation dans un monde qui a refusé de croire au temps de Noé. Mais la Bible déclare, malgré le fait qu'on avait posé une pierre devant la tombe sans le secours d'aucun homme, alors que les femmes se posaient la question, oui, le jour de la résurrection, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Pendant que tu te poses des questions, la solution avait déjà été trouvée. Je suis venu te dire, la solution avait déjà été trouvée. La Bible déclare, oh, il y a eu un tremblement de terre. Un ange a roulé la pierre, juste pour attester que Jésus, qu'il était mort, qu'on avait couché là. Je suis allé en Israël, j'ai vu cette tombe, je suis entré dans cette tombe. Je peux vous dire, toutes les tombes sont fermées, mais c'est la seule tombe qui est ouverte où tu peux entrer. Parce que celui qu'on avait placé là, sur le banc là que j'ai vu, la Bible déclare, le troisième jour, il n'était plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas ce même agneau qui était mort, mais c'est un agneau qui est ressuscité. Dis avec moi, il est ressuscité. Lorsque les femmes sont allées, elles ont couru. Elles ont couru. Elles ont vu que le tombeau était vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu voler le corps. Et voici deux anges apparurent, vêtus de blanc comme des jardiniers, et disent à femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que ce matin quelqu'un m'entend? Pourquoi ma soeur, pourquoi mon frère cherches-tu parmi les morts? Parmi les morts. Oui, c'est vrai, il y a des morts. Lui-même, il est mort. Mais la Bible dit qu'il ne devait pas rester dans la mort. Il était impossible que son corps voie la corruption. Il était impossible qu'il soit retenu par la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Bien-aimé, il a vaincu cela. Bien-aimé, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. C'est pourquoi je ne crois pas à la fête de Toussaint, mais je crois à la Pâque et à la résurrection. Je ne crois pas à la fête des morts, mais je crois à la fête de la résurrection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, si tu es ressuscité, tu peux commencer à danser. Si tu es ressuscité, tu peux commencer à célébrer. Si tu es ressuscité, tu peux commencer. Écoutez, je vais vers la fin. Écoutez maintenant attentivement. Là, c'est maintenant la fête. Là, c'est la festivité. Et nous allons dans Apocalypse chapitre 5. Là, il est ressuscité. Les gens se posent des questions. Ma vie, ça sera comment? Le livre, ça sera comment? Mon avenir sera comment? Et la Bible dit, Apocalypse 5, « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne? Qui est digne? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? » Et la Bible dit, personne, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et la Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Oh, dis à ton ami, essuie tes larmes. Oh, regarde-le, touche-le comme ça, dis, essuie tes larmes. Non, non, touche-le, dis, essuie tes larmes. Mets-moi une bonne musique, mon frère. Oh, riboche de robot. Oh, riboche de robot. Ne pleure point. Pas fort, pas fort. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. La Bible dit, il a vaincu. Ce n'est pas un Dieu faible, mais un Dieu de victoire. Pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes. Écoutez, écoutez, on nous dit que l'agneau avait sept cornes. Un agneau en général a deux cornes. Mais lui, il est un agneau qui a sept cornes. Dans la Bible, les cornes représentent la force, la foule, le pouvoir et l'autorité. Et sept, c'est la perfection. L'agneau qui est question ici, ce n'est plus l'agneau qui a été immolé, mais c'est l'agneau ressuscité. Aïe, 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 aïe. Je dis, c'est l'agneau qui a sept cornes. L'agneau qui a sept, il te dit, il est le Tout-Puissant. Et il continue en disant, il continue en disant,
Il avait 7 yeux. L'agneau a 7 yeux. Voyez cet agneau, il a 7 yeux. Les yeux nous parlent de la révélation. Les yeux nous parlent du prophétique. Les yeux nous parlent de celui qui voit les choses cachées que les hommes ne voient pas. L'agneau de Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il sait tout. Et la Bible dit, il a les 7 yeux. Et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Et la Bible dit, quand il lui prit le livre, et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. La Bible dit, il chantait. Quelqu'un peut m'aider à chanter ce matin? Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre des livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé au passé. L'immolation, c'était au passé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. La Bible dit, ils chantaient un cantique nouveau et je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Alléluia. Ils étaient en train de le célébrer, de le célébrer. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Apocalypse 7, à partir du verset 9 au verset 17. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Oh, nous allons tenir des palmes dans nos mains. La Bible déclare, il criait d'une voix forte et disait, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenant autour du trône, les vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent leur face devant le trône et ils adorèrent. La révélation de l'agneau t'amène dans l'adoration. Oh, la révélation de la Pâque t'amène dans la célébration. La révélation de l'agneau pascal t'amène à célébrer celui qui est mort et ressuscité pour toi. Et en disant amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force soient rendues à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et il me dit, le Seigneur, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela, écoutez, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. La présence de Dieu se manifeste lorsque l'agneau est célébré, adoré. Et la Bible dit, ils n'auront ni faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi, parce que l'agneau est célébré, parce que l'agneau est glorifié. La Bible déclare, il va te pètre, il va prendre soin de toi. Pètre veut dire prendre soin. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ta difficulté, tes problèmes, il y a quelqu'un d'autre qui en prend soin. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça. Dieu te dit, ne t'inquiète plus de rien. L'agneau de Dieu est là pour te paître, pour prendre soin de toi dans le moindre détail.
broussailles. Et oh, David le dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est lui le bon berger qui sait comment te paître. Non seulement il te paie, mais il te conduit aussi. Il te conduit. Tu ne te conduiras pas toi-même. L'agneau connaît la direction. L'agneau connaît le chemin à suivre. L'agneau connaît la décision à prendre. Quelquefois nous échouons parce que nous n'écoutons pas la voix de l'agneau. Nous ne respectons pas les directives de l'agneau. Mais lorsqu'on écoute la voix de l'agneau, lorsqu'on suit les directives de l'agneau, la Bible dit qu'il nous conduit. Lorsqu'il nous conduit, il nous conduit là où il y a les sources d'eau de la vie. L'agneau est venu pour que tu aies la vie. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Je suis venu te déclarer de la part de Dieu, tu as la vie en abondance. Tu as la vie en abondance. Et tu as la vie en abondance. Quelqu'un me dit amen. Dis, j'ai la vie de Dieu. Dans ton sang coule le sang de Jésus. Dans ton sang coule le sang de l'agneau. Même si on a dit tu as les problèmes d'hépatite, les problèmes de sang anémie, je suis venu te dire le sang de Jésus va renouveler ton sang. Quelqu'un ne me comprend pas. Que nous sommes dans notre dernier jour de célébration. J'ai besoin de voir un peuple qui croit. Parce que la Bible dit, qui a cru? Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Lorsqu'on croit, on dit amen. Et lorsqu'on dit amen, la parole devient vie en nous. Qui croit à l'agneau de Dieu? Les gens n'ont pas cru, mais nous, nous croyons. Le monde n'a pas cru, mais moi, je crois. Oui, les satanistes n'ont pas cru, mais nous, nous croyons. Les francs-maçons, les Rosicrucien n'ont pas cru, mais moi, je crois. Oh, Dieu veut susciter une génération de croyants. Et parce que tu crois, tu deviens un adorateur. Écoutez, ce n'est pas fini. Apocalypse 13, 12, pardon. Apocalypse 12, verset 10 à 12. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia. Apocalypse 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Oh, quelqu'un peut-il lever la main avec moi pour dire maintenant, le salut est arrivé dans ma famille. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je déclare que le temps du salut de la France a sonné. J'ouvre la brèche dans le monde spirituel de ce pays, la France, et je prie qu'il y ait l'introduction du roi qui est l'agneau de Dieu. Cette nation doit fléchir les genoux et reconnaître qu'il y a un peuple qui a cru. Je dis, cette nation fléchira les genoux, car maintenant, pas demain, mais maintenant, je dis pas demain, mais maintenant, le salut est arrivé, le salut de ta vie est arrivé. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je le déclare, j'appelle à l'existence les choses qui manquaient au nom de Jésus. Tes mains vont les toucher, tes yeux le verront et tu diras certainement, Dieu m'a visité. Amen. Je me sens étrange, je me sens étrange. Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Christ notre Pâque, son autorité. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Tu as un accusateur qui t'accuse, il a été précipité. Il se lève, il t'envoie des flèches, il veut détruire ton couple, il veut détruire tes projets, il veut détruire ta famille, il veut détruire l'église. Il s'attelle. Cette semaine, ça a été une semaine de terribles attaques spirituelles pour notre église. Mais je peux vous assurer, il est vaincu. Il est vaincu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des gens de cette présentation ici? Est-ce que vous êtes là? Je veux vous entendre. Je dis, il est vaincu. En tant qu'autorité.
autorité spirituelle, je déclare, aucun de vous ne sera frappé par une maladie bizarre. Je le déclare, aucun de vous n'aura un accident où il va y avoir des morts. Je le déclare, ça n'arrivera pas. Je déclare au nom de Jésus, les parents qui sont ici, aucun ne va enterrer ses enfants. Je le déclare. Je déclare que vos enfants vont servir Dieu. Je déclare que la visitation de Dieu est votre part. Et je déclare, toutes les situations qui étaient fermées, vous allez témoigner aujourd'hui, que ce soit administratif, si tu crois, tu lèves tes mains, tu dis je reçois, je te le donne. Tu dois témoigner, dire qu'il y a un homme de Dieu. S'il y a des faux, tu sauras qu'il y a un vrai, qu'il y a un reste, qu'il y a des vrais. Je te le donne, prends cela. Toi qui es malade, dis aujourd'hui c'est fini la maladie. Levons-nous ensemble. Levons-nous. J'ai pas encore fini, mais levons-nous. Levons-nous. Lisons ensemble verset 11. Lisons ensemble. Ils l'ont vaincu. Allons-y ensemble. Verset 11. 1, 2, 3. Ils l'ont vaincu. Ah, reprenons, reprenons, reprenons. Ils l'ont vaincu. Ah, reprenons encore. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Encore une fois. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Une dernière fois. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce qu'ils ont vaincu à cause du pasteur? Non. Est-ce qu'ils ont vécu à cause de l'église cette résurrection? Est-ce qu'ils ont vécu à cause de qui que ce soit? À cause de qui? À cause de qui? Je suis venu te dire que tu es dans la victoire. Je suis venu te dire que tu es dans la victoire. Parce que le sang a coulé. Continuons. Verset 12, 1, 2, 3. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, qui habitez dans les cieux. Ah, arrêtons-nous là. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Quand toi tu lis ça, tu dis, ah vraiment, quand je serai au ciel, je suis venu te dire, c'est faux. Parce qu'on nous a dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé avait un livre de vie. Or, le jour où tu acceptes Jésus, Dieu détruit ton livre et inscrit ton nom dans les livres de vie. Et Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont chassés, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Quand on dit réjouissez-vous, cieux, tu es un citoyen du ciel. Non, je suis venu dire à quelqu'un, tu es un citoyen du ciel, tu es une citoyenne du ciel, commence à danser, commence à te réjouir, commence à danser, commence à te réjouir. La Bible dit malheur à la terre. En fait, ce que vous allez vivre, c'est quoi? Parce que Christ est votre Pâque. On ne le célèbre pas seulement quand ce n'est pas comme ça. Tous les jours, c'est la célébration. Chaque matin, tu le célèbres. Ce qui fait que quand vous allez au travail, vous allez voir les gens sont stressés. Les gens sont fâchés pour rien. Les gens sont opprimés. Les gens sont déprimés. Les gens sont comprimés. Mais on ne comprend pas. Même vous êtes dans le même bureau. Mais toi, la joie de Dieu. Tu sais pourquoi? Vous allez à l'école. Oh, les cours, c'est dur. La mathématique. Ah, je ne sais pas, cours de biologie, biochimie, c'est dur. Mais toi, quelque chose se passe. Mais toi, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais non, moi, je suis citoyen du ciel. Je suis citoyenne du ciel. Oh, est-ce que quelqu'un peut se réjouir avec moi? Je suis citoyen du ciel. C'est-à-dire, je n'affronte pas la vie comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Réjouissez-vous, cieux. Dis, je dois me réjouir. Dis, je dois me réjouir. Dis avec moi, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Dis avec moi, rien, rien, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. J'aime Jésus et je suis son fils. Je suis
et sa fille. Au nom de Jésus, acclame ton Dieu très fort. La chorale, la chorale. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main avec moi? Je ferai un service prophétique cet après-midi. Je vous demanderai vraiment si vous pouvez tous rester, si c'est possible. Cet après-midi, j'avais prévu prier le matin, mais à cause du temps, après-midi, je vais parler un peu et je vais rentrer dans la phase de prière. Et je vous assure, je sens quelque chose vraiment de spécial aujourd'hui. Ne rentre pas avec tes problèmes. Lève tes mains. De gloire. Nous sommes debout, nous levons nos mains comme ça. Tu m'as oh, sans le bras de Dieu, le bras de ce qu'il y a de blues, sans le bras. Ici. Je vous dis la vérité, la puissance de Dieu. Ce matin, un rendez-vous divin. Tu es venu en ce lieu avec des questionnements. Tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu es là, j'aimerais aujourd'hui que tu me parles. Tu es assis là dans la foule, tu es une femme. Dieu a exaucé ta prière. Tu dis, Seigneur, regarde ma situation, regarde ma santé, regarde ma famille. Dieu me dit de te dire, femme, je veux sécher tes larmes. Approche-toi de moi, car tu t'es éloigné de moi. Approche-toi de moi. Les problèmes, les difficultés et les situations de la vie t'ont éloigné de moi. Tu as commencé à douter de mon amour. Tu as commencé à douter de ma présence. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler. Et je suis venu te dire que je te connais. Et je t'appelle par ton nom.
Je veux te voir rapidement ici. Femme, viens. Viens, j'aimerais prier avec toi. Il y a un temps, quelque chose de nouveau que Dieu veut déposer dans ta vie. Il y a une personne ici, tu souffres de problèmes de kystes. J'aimerais te voir vite devant, rapidement, rapidement. Tu as un problème de kystes. Arrive vite, je vais prier pour toi. La main de Dieu est là pour te guérir et te toucher. Il y a une personne qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Arrive. Il y a une onction de guérison. Oh my God. Oh my God. Une onction merveilleuse de la guérison divine. Il y a un problème au niveau de la colonne. Pour savoir que c'est toi, des fois ton dos se bloque. Ça se bloque. Tu as du mal à faire des mouvements. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Juice, Junior, Papa Jackie, venez. Venez prier. Tête. Ma femme. J'aimerais prier pour des personnes. Vous allez prier pour ces personnes. Pendant que je donne des paroles de connaissance, selon que l'Esprit de Dieu me le dit, des personnes s'avancent. Si vous êtes concerné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, venez vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ferai un bon service, un service tout à l'heure, si Dieu le permet. Mais je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose que Dieu veut donner. Il y a une personne, tu as souvent des douleurs au bas-ventre. Tu es une femme. Quand ça te prend, il y a deux cas. Il y a une personne, une femme, c'est souvent des problèmes, des règles douloureuses. Ça te prend, tu te tords dans tous les sens, ça te fait très mal. Arrive, mets-toi ici devant vite, nous allons prier pour toi. Il y a une autre personne, tu sens comme quelque chose marcher dans ton ventre. Il y a quelque chose qui marche dans ton ventre. La puissance de Dieu est là. Vous qui êtes là, levons nos mains, prions. Arrive, tu sens quelque chose marcher sur ton ventre. La puissance de Dieu te libère aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Lâche! Vous tous qui êtes dans la salle, levez vos mains. L'onction de Dieu ici. Levez vos mains, s'il vous plaît. Jésus. Il est en train de toucher une personne. Il y a une personne ici spécialement qui reçoit un don de Dieu. Dieu t'ouvre l'oreille spirituelle. Le Saint-Esprit ouvre l'oreille spirituelle à quelqu'un. Voici l'Esprit. Oh! Arlette. Sorcière. Dieu, ouvre ton esprit à l'onction prophétique de la révélation. Reçois au nom de Jésus.
l'achever. Il va l'achever. Tu expérimenteras la puissance de Dieu d'une manière terrible. Dieu libère. Te libère de l'joug. Dieu te libère de toutes sortes de joug, de toutes sortes de chaînes qui t'ont retenu depuis longtemps dans le passé. La main de Dieu est sur toi. Dieu veut t'utiliser dans une dimension pour sauver, pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Quelque chose ici. Ah, ok. Alléluia. Oh, Jesus. My God. Oh. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de sortir son âme de gouffre. C'est comme si on avait enterré cela au fond, au fin fond. Et la puissance de Dieu est en train de la sortie. Pose ta main. Non. Viens. Pose ta main sur son ventre. Pisse. Oh. Et de là, Jésus est en train de délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tout le monde peut acclamer Jésus de Nazareth? Son nom, c'est Jésus. Fire. Amenez-la. Teddy et Lydie. Vous deux, Lydie, venez tous les deux, vous allez prier pour elle. Venez, vite. Amenez-la. Oh, la puissance de Dieu est ici. Jésus est ici. Oh, est-ce qu'on peut m'aider à glorifier Jésus? Oh my God. Son of Brain, the man has got to go. Lord, now my scatter brought in the glory. You know about salt in the brand, the dream in the oh my God. I'm about salt in the brand. Jésus. Il s'appelle Jésus. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau des yeux. Tu sens souvent comme des picotements, ça te fait mal. Et quelquefois, tu vois flou. C'est comme si tu perdais la vue. Arrive. Juste, ne pars pas. Reste là. Reste ici. Quelque chose est en train de se passer ici. Emmène-moi.
qui sont malades, posez la main sur votre tête là où vous êtes. Peu importe la maladie, pose ta main. Déclenchement d'un mouvement de Dieu terrible ici même. Touche ta tête. J'ordonne maintenant même à toute maladie qui te hante de te quitter maintenant. J'ordonne maintenant à toute maladie qui te hante de quitter maintenant et de partir dans les lieux arides. J'ordonne maintenant à toute maladie qui te hante maintenant de quitter ta vie maintenant. Sois guéri. Soyez tous guéris maintenant. Que mon Dieu te touche et te guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous continuons à acclamer, nous voulons faire une très bonne offrande aujourd'hui. Dis à ton ami, nous voulons faire une...